Alors, bonjour, c'est Fred, le tipster du site bienifugé.com et dans cette vidéo, je vais vous proposer 4 pronostics. Je vous rappelle que pour aujourd'hui, on a Eintracht Francfort, on a Mönchengladbach, Leipzig et Paris FC Caen et Valenciennes Clermont dans la vidéo spéciale Halloween. Et encore un grand merci pour vos retours très positifs. Je vais mettre de côté tout ce qui est négatif. Donc oui, une vidéo spéciale, mais c'est comme je vous ai dit pour certains, c'est comme les paris sportifs en fait. Il faut pas sembler, il faut pas que ça paraisse trop difficile ou autre. C'est comme tout, pour investir, il faut s'investir. Tout est possible et accessible à partir du moment où on se donne les moyens, à partir du moment où on a les bons outils et voilà, bon, un peu de créativité effectivement, mais voilà. Donc merci pour vos retours très positifs et voyons voir les 4 pronostics pour aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, pour demain. Alors, vous êtes beaucoup de nouveau, vous êtes très nombreux. Il faut savoir que je poste tout le temps les pronostics la veille avant 18h, essentiellement depuis pratiquement 10 mois sur YouTube, en complet en vidéo, tout est filmé, toujours à 17h30, mais on ne sait jamais, selon un problème technique, jusqu'à 18h. S'il n'y a pas de prono, c'est qu'il n'y a pas de match. Si les cotes ne sont pas values aussi, je ne vois absolument rien. Si, voilà, il y a plein de possibilités qui fassent qu'il n'y ait pas de prono. Actuellement, effectivement, vous êtes un peu gâtés, il y en a tous les jours. Mais voilà quoi. Donc allez, commençons de suite. Donc n'ayez crainte, la vidéo est normale et classique. Et désolé pour ceux qui trouvent que c'est trop long, mais si vous deviez faire toutes ces recherches, eh ben, vous allez mettre à peu près 5 minutes à regarder la vidéo par prono. Je pense qu'en 5 minutes, vous n'avez pas le temps de regrouper toutes ces informations-là. Donc, ce n'est pas grave. Et pour ceux qui aimeraient avoir les données, ça sera uniquement accessible maintenant, puisqu'il y a eu mot pour mot copié un petit peu partout. Les données, donc non, hors de question, ça sera dans un espace privé, je suis dessus en train de travailler, voilà. Il faut savoir être patient, le temps est toujours à notre avantage, hein. Il ne faut pas croire qu'il faut tout faire vite, voilà quoi. Chaque chose a son temps, je prends le temps, c'est mon mode de fonctionnement, et voilà. Allez, tout de suite, Angers-Nice, donc Angers-Nice, donc Angers est 8e avec 13 points et Nice est 5e aux portes des places européennes avec 14 points. Alors pourquoi je vous propose ce match-là? Parce que vous allez me dire effectivement Nice a joué et je déconseille de jouer. De parier sur les équipes ayant participé à la Ligue Europa et à la Ligue des Champions. Mais ce n'est pas sur Nice que je vais vous proposer de parier. Justement, on peut aussi parier contre. Donc, surtout, une petite particularité d'Angers, ils sont toujours un petit peu meilleurs à domicile. Malheureusement, cette équipe-là a tendance quand même à perdre plus de points à l'extérieur. Donc voyons voir le face-à-face, donc je vous donne quand même les Elo Rating, donc Angers à 1773 points Elo Rating et puis Nice à 1840 points Elo Rating. Nice une certaine alternance, bon j'ai cru qu'ils allaient prendre un petit coup derrière la tête après leur défaite contre Leverkusen, mais ils se reprennent bien quand même, donc attendons de voir. Donc voilà, une certaine alternance pour Angers et Nice. Bon, ils reviennent bien. Ils reviennent bien, invaincus depuis 4 matchs. Donc Angers gagne à 50%, font match nul à 12%, perdent à 37%. Ils font des over et d'under plus 2,5 buts à 50%. Je vais vous mettre quand même ces petites stats qui vont bien. Nice gagne à 50%, font match nul à 25% et perdent à 25%. Ils font des over 2,5 à 62% et d'under à 37%. Ils marquent en premier à 50% et les encaissent en premier à 37%, quand même un rapport positif de 37%. Pour ce qui est de d'Angers, ils marquent en premier à 37% et ils encaissent en premier à 62%, donc un rapport positif de 49%. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc c'est ce que je vous dis, c'est un petit peu comme Montpellier d'ailleurs, Angers, hein, c'est une bonne chose à savoir. Angers sont toujours un petit peu meilleurs à domicile, donc voilà, quoi, ils sont un peu plus costauds. Nice, bon, bah, une certaine alternance. L'historique des confrontations, donc ils avaient fait match nul l'année dernière, après bon, c'est une certaine alternance. Donc voyons voir les statistiques particulières. Alors tout d'abord les absents.
Donc c'est un match à 15h. Au niveau des absents, il y aurait 4 absents, dont 2 assez gênants quand même pour le dispositif tactique d'Angers. Pour Nice, vraisemblablement aucun suspendu, aucun blessé, donc effectif au complet. Mais attention, hein, ils viennent de jouer en Ligue Europa. Alors, pour les statistiques, lors des 6 derniers matchs à domicile de Ligue 1, Angers a été invaincu à 5 reprises. Dans 4 des 5 derniers matchs de Angers en Ligue 1, il y a eu moins 2,5 buts de marqués. L'équipe d'Angers a concédé une moyenne de 2 buts dans leurs matchs de Ligue 1. Pour ce qui est de Nice, est invaincu dans 17 des 20 derniers matchs en Ligue 1. Dans 13 des 17 derniers matchs de Ligue 1 de Nice, les deux équipes ont marqué. Lors des 5 de ses 9 derniers matchs à l'extérieur, l'OGC Nice a fait match nul. Nice a gagné seulement une des 7 derniers affrontements avec Angers en Ligue 1. Nice a gagné par 2 buts et plus lors de 3 des 6 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 1. Donc les probabilités que je vois sur ce match, c'est 31% victoire à domicile de Angers, 37% pour le match nul, Nice à 32%. Le match nul, le N, et avec un score de 1-1 que je ne vais pas vraiment suivre parce que je pense que Nice aussi va être un petit peu en dedans avec l'Europa League. Déjà d'obtenir effectivement un match nul serait pas mal, mais je pense Angers capable de faire la différence. Donc je vais tenter, enfin c'est plus que tenter, hein, sinon je ne le proposerai pas. Je vais parier, je suis assez confiant sur la victoire d'Angers à une cote de 2-30. Mais de sécuriser, vraisemblablement, quand même, Nice est capable offensivement. C'est plutôt défensivement qui me gêne. Donc, je ne sais pas, Angers serait peut-être capable d'aller chercher un 1-0 et d'essayer de verrouiller, de garder ce score, ou peut-être un 2-0, sachant que Nice a quand même pas mal de failles défensives. Donc, voilà, je sécurise avec les deux équipes marques, quand même, parce qu'on l'a vu par rapport aux statistiques. À 1,70, ou alors si vous préférez, peut-être jouer le 1 remboursé si n, ou le contraire, n remboursé si 1, 1 n remboursé si 1. Vous voyez que la calculatrice gagne futée. Je vous ai quand même mis les répartitions ici. La victoire d'Angers remboursée si les deux équipes marquent, hein, donc ça a une cote de 2,30 et 1,70. Ça nous fait quand même une cote équivalente à 1,95 en espérant gagner les deux paris évidemment. Sinon on réduit, soit on est remboursé, soit on réduit les pertes. Ok? Ah ben si je vous ai quand même mis, je suis vraiment trop sympa. Je vous ai quand même mis la répartition pour 1 remboursé sienne, mais voilà, ça fait une cote équivalente à 1,61. Donc voilà, faites comme vous voulez, ou allez voir la calculatrice gagnifûtée et faites votre répartition. Voyons voir le second match, Manchester United Arsenal à 17h30. Donc Manchester United est 15e avec 7 points, mais attention, hein, pour moi cette équipe-là a un retard de points et en plus, effectivement, ils ont joué que 5 journées. Hein, donc ils seraient un petit peu plus haut, je pense. Donc attention, hein, d'autant plus que vous avez vu le match extraordinaire qu'ils ont fait contre Leipzig. Et c'était pas rien contre le PSG, même amoindri. Donc il confirme une belle équipe. Pour ce qui est d'Arsenal, ils sont 11e avec 9 points. Voyons voir les Elo Ratings respectifs. Donc Manchester United a 1872 points Elo Rating et Arsenal a 1838 points. Voyons voir le face-à-face. Bon, ben, ils ont combattu un petit peu le signe indien de ne pas gagner à domicile. Bon, il faut savoir qu'ils avaient fait plus de matchs à l'extérieur aussi. Et bon, là, ils viennent de la plus belle des manières de gagner en Ligue des Champions contre Leipzig. Donc voilà, je pense qu'ils vont être sur la confiance quand même, Manchester. Donc ils gagnent à 40%, ils font match nul à 20% et ils perdent à 40%, ils font des over 2,5 à 80%, des under à 20%. Ils marquent en premier à 40%, ils encaissent en premier à 60%. Un rapport négatif, bah oui, c'est parce que c'est quand même des cotes qui sont soutenues, mais en fait, qui sont pas très soutenues, justement, ils étaient favoris à 1,40, des choses comme ça. Donc après, c'est difficile. Pour ce qui est d'Arsenal, bah, une alternance, hein, ça gagne ou ça perd. Attention, il reste à l'extérieur sur 2 défaites. Et ce qui me gêne sur Arsenal, c'est qu'en fait, toujours, dès que le niveau est un peu élevé, ils sont pas là, quoi. Là, ils ont perdu contre Liverpool, ils ont perdu contre Manchester. Voilà, Leicester qui a quand même quelques petites ambitions. Bon, il faut relativiser. Là, quand même, Manchester reste sur un bon match nul à domicile contre Chelsea, quand même. Donc, voilà.
Voyons voir le domicile extérieur. Donc effectivement, on n'a toujours pas gagné, sauf qu'ils viennent de gagner en Ligue des Champions. Donc je pense que ça pourrait le faire. L'historique des confrontations. Eh ben, Arsenal n'a plus gagné à Manchester. Alors depuis 13 matchs, Arsenal n'a plus gagné à Manchester. Bon, je ne le prends pas trop en compte. Bon, ça serait de bon aloi pour Manchester. Donc voyons voir les statistiques. Donc carton rouge, hein, donc un match à purger pour Martial. Sinon, il y a 4 autres absents. Bon, je pense que c'est quand même plus Martial qui était un peu gênant dans son absence. Côté Arsenal, David Luiz et 4 autres absents. Pour moi, David Luiz est quand même gênant dans cet effectif. Donc voyons voir les statistiques particulières. Manchester est invaincu dans 30 de ses 34 derniers matchs de toute compétition. Manchester a gagné par 2 buts et plus 15 des 29 derniers matchs de toute compétition. Manchester a remporté 4 victoires par 3 buts et plus lors de 8 de ses derniers matchs de toute compétition confondue. Manchester a obtenu seulement une victoire lors des 6 derniers matchs à domicile. C'est là où ça pêche un peu, mais je les sens bien. Je pense que là, on est sur des signes de retour, en fait, la normalité va reprendre. Les deux équipes ont marqué dans 4 des 5 derniers matchs de Manchester United. Dans 9 des 10 derniers matchs de toute compétition de Manchester United, il y a eu plus de 2,5 buts. Lors de 4 des 6 derniers matchs de Premier League à domicile de Manchester United, a concédé 2 buts et plus. Pour Arsenal, dans les 7 derniers affrontements d'Arsenal à l'extérieur contre Manchester United, les deux équipes ont marqué. Donc ça, c'est une constante hein, qui ressort, ça. Arsenal a gagné contre Manchester United dans seulement 2 de ses 22 affrontements de toute compétition. Donc on l'a vu, hein, il y a une série énorme où ils n'ont plus gagné. Manchester United a perdu 4 de leurs 5 derniers matchs à l'extérieur en Premier League. Manchester United a marqué au moins un but lors des 14 dernières rencontres contre Manchester. Donc attention, ça marque. Donc ça confirme aussi pour les deux équipes marques, hein, donc c'est pas mal. Hein. Donc vous avez compris, hein, le prono est déjà tout fait. Hein. Il suffit de lire les stats hein, en gros hein, et de parler conditions actuelles, pourquoi pas. Arsenal a concédé au moins un but lors de ses 9 derniers matchs à l'extérieur contre Manchester United. Donc ils marquent toujours un but, mais ils encaissent toujours un but. On a le prono qui est tout fait. On sait que les deux équipes marquent dans les deux côtés apparemment. Les probabilités, Manchester United gagnant, probabilité à 33%, 30% du match nul, 37% pour Arsenal, donc le 2 à 2-1, mais je ne le suis pas. Je crois réellement que la Manchester United est sur une autre dynamique. Bon, ils ont tous les deux participé aux Coupes européennes. Je vois une victoire de Manchester United, une cote de 2, et il faut compléter ou sécuriser avec les deux équipes marques. Une cote de 1,57, je pense que là les deux paris sont pas mal, hein, sont bien. Ils peuvent être joués individuellement sans souci. Ou alors si vous voulez pas être trop gourmand de sécuriser, mais ça me semble propre et correct comme ça. Donc voyons voir maintenant le match suivant, Sampdoria de Gênes contre Genoa. Gênes. C'est Gênes contre Gênes. Alors la Sampdoria est 7e avec 9 points et le Genoa est 16e avec 4 points, mais attention, ils ont un match aussi de retard. Les Elo Ratings respectifs, donc Sampdoria à 1819 points Elo Rating et Genoa à 1703 points. Attention, ils doivent se reprendre. Ils restent sur deux défaites, la Sampdoria, après avoir fait un beau début de saison, d'ailleurs contre l'Atalanta, ce qui n'est pas évident, et la Lazio. Pour ce qui est du Genoa, ils restent sur une défaite contre l'Inter. Bon, on peut les excuser. Voyons voir le face-à-face. Donc, le Genoa, hein, sur une bonne série de 3 victoires, j'ai pris à l'envers. Et puis, une certaine alternance côté Genoa. Donc, la Sampdoria me semble quand même bien. Ils gagnent à 60%, ils perdent à 40%, 100% de over sur cette équipe, 80%. Ils marquent en premier, 20% ils perdent, ils encaissent en premier. Et attention, une équipe extraordinaire avec un rendement de plus de 211%. Ben oui, parce qu'ils ont des cotes très très élevées. Ils sont pas du tout attendus à ce niveau-là. Je vous dis souvent, surveillez les équipes 5e à 8e. Ils veulent se battre pour avoir des places européennes et les cotes sont soutenues.
Pour ce qui est du Génois, ils gagnent à 25%, ils font match nul à 25%, ils perdent à 50%, over et under à 50%, ils marquent en premier à 25% et ils encaissent en premier à 50%, un rapport négatif sur cette équipe. Donc bah, la logique nous voudrait que Sampdoria marque en premier, voire peut-être qu'il double la mise, et une petite probabilité que Génois quand même puisse marquer un but. Voyons voir le face-à-face domicile-extérieur. Bon ben, le Sampdoria reste quand même sur une victoire devant la Lazio, ce qui n'est pas évident, et un match nul à l'extérieur pour le Genoa. L'historique des confrontations. Donc une alternance, on peut pas, il n'y a rien qui sort quand même, mis à part pour le Genoa qui, il y a longtemps qu'ils n'ont plus gagné à domicile, bizarrement. La Sampdoria fait match nul ou gagne à l'extérieur. Voyons voir les statistiques que je vous ai trouvées sur ce match. Donc les petites infos qui vont bien pour la Sampdoria, un joueur absent. Pour ce qui est du Genoa, trois joueurs absents. Voyons voir les statistiques particulières que je vous ai trouvées. Donc la Sampdoria est sur une série de trois victoires consécutives. Donc acheté, c'est half-time. FT, c'est full time, donc à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire. La Sampdoria a obtenu 3 victoires en marquant super faute 3 buts et plus dans leurs 6 derniers matchs à domicile en Serie A. Plus de 2,5 buts ont été comptabilisés lors de 19 des 22 derniers matchs de la Sampdoria en Serie A. La Sampdoria a marqué au moins un but dans leurs 10 derniers matchs à domicile. Donc ça marque. Genoa n'a pas marqué de but lors des 3 derniers matchs extérieurs, donc d'un autre côté ça marque pas, donc on ne peut pas gagner. N'a gagné que 3 des 21 derniers matchs extérieurs, donc voilà, ça confirme déjà. Gênes a subi 4 défaites par plus de 2 buts lors des 7 derniers matchs de Serie A. Gênes a été battu par plus de 2 buts lors de 3 des 5 derniers matchs extérieurs en Serie A. Plus de 2,5 buts ont été marqués lors des 16 des 19 derniers matchs de Gênes en Serie A. Lors de 5 des 7 derniers matchs à extérieur de Serie A de Gênes, il y a eu plus de 2 buts. Donc voilà, ils encaissent, ils ne marquent pas, ils ne gagnent pas. Les probabilités sont assez favorables et je pense que vous l'avez compris à la lecture des stats. Hein, voilà, les pronos sont faciles. Hein. Il n'y a plus qu'à suivre les stats en gros. Hein. Bon, après, ça reste du football. Hein. On n'est pas. Ça se peut que voilà, hein, ça aille dans l'autre sens. Bon, là, j'ai fait une très grosse bêtise, je marque le contraire. Je vais rectifier, mais je pense que vous l'avez compris. Hein. C'est pas la victoire de. Enfin, c'est Sampdoria de Gênes. Hein. J'ai pas complètement faux. Donc, évidemment, je vois la victoire de Sampdoria de Gênes, hein, pas du Génois. Donc, bon, bah, vous voyez dans le sens, hein, c'est le 1, hein, 98, je vais rectifier. Hein. Là, c'est faux. Hein, c'est pas, je vois pas Gênes. La cote est à 4. Les probabilités 52% de victoire pour la Sampdoria de Gênes. Match nul à 22% et victoire du Génois, donc de Gênes à 26%. Donc le 1, je pense qu'il y aura certainement un 3-0 même. Je pense que ça va claquer. Donc voilà pour ce match. Voyons voir maintenant Lille-Lyon. Donc Lille est deuxième avec 18 points et Lyon est sixième avec 13 points. Une très belle équipe de Lille, hein, je vous le dis à chaque fois. Lille a 1968 points et Lyon a 1872 points. Donc toujours invaincu. Vraiment une belle équipe, hein, un bel effectif. Les postes sont doublés. Voilà, c'est très solidaire, c'est fluide. Bon, ils se sont fait un petit peu attraper, mais de la meilleure des façons. Hein. J'étais un peu déçu parce que je vous avais proposé Lille, mais en Coupe européenne. Mais quand même, bon, ils ont raté un penalty, c'est pas pardonnable non plus. Mais bon, voilà, il y a quand même du bon. Je pense qu'ils vont s'en sortir. Pour ce qui est de Lyon, bah, malheureusement, Lyon a tendance à faire trop de matchs nuls. C'est pas que c'est mauvais. Mais c'est pas excellent, c'est pas bon. Le temps match nul, c'est 2 points perdus, c'est ça qui est très gênant. Bon, il faut que ça revienne, donc il reste sur 2 victoires. Bon, voilà quoi, il faut remobiliser les joueurs. Je pense qu'il y en a qui ont eu mal à la tête là avec le mercato qui est toujours négatif en fait et qui fout un peu le bordel dans le vestiaire, je pense aussi. Donc voyons voir le face-à-face. Donc bon bah voilà, hein, c'est propre, hein, il n'y a rien à dire à Lille. Je vais pas faire que des éloges sur Lille. Je suis pas supporter, mais
Il faut admettre, il y a un bel effectif, c'est très équilibré partout. C'est surtout ça aussi, c'est que c'est un effectif très équilibré. Tous les postes sont bien en place. Vraiment, une des meilleures équipes, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Je ne peux pas dire le contraire. Hein. Il gagne à 62%, match nul à 37%, toujours pas de défaite. Des over 2,5 à 25%, des under à 75%. Ils marquent en premier à 87%. Ils encaissent un premier à 12%, plus 27% sur cette équipe. Pour ce qui est de Lyon, donc ça revient bien, hein, ça revient bien. Ils gagnent à 37%, match nul à 50% et perdent à 12%. 50-50 pour les over et les under. Ils marquent en premier à 25% et ils encaissent en premier 50%, un rapport négatif de 38%. Voyons voir le face-à-face domicile-extérieur. Donc Lille toujours aussi propre. Une certaine alternance côté Lyon. Voyons voir l'historique des confrontations. Lille n'a plus gagné, Lyon plutôt, n'a plus gagné à Lille depuis 3 matchs. Attention aussi, hein, 2 matchs nuls. Et étrangement, Lyon ne gagne plus à domicile contre Lille depuis 5 matchs, mais c'est dans l'autre sens pour notre prono. Donc voyons voir les informations. Donc Lille, toujours, hein, ça c'est impeccable. D'ailleurs, je ne comprends pas quand même, on est au début de saison, il y a des équipes où ils ont énormément de blessés. Normalement, ils sont dans les préparations physiques et tout, je ne comprends pas. Bon, il y a eu très peu de coupures. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Normalement, les équipes devraient avoir leur effectif, au contraire, là, bien affûté, préparé physiquement. Je vous dis, hein, 5 à 6 journées. Là, Lille, effectif au complet. Ce qui peut être gênant pour Lyon, Jason Denayer est absent. Donc attention, c'est quand même un joueur clé pour Lyon. Et Melvin Barre et un carton rouge à purger. Pour les statistiques particulières, lors des 14 derniers matchs de Ligue 1 consécutivement, il n'y a eu aucune défaite à la mi-temps pour Lille. Donc ça, c'est quand même une information importante. Lille a gagné à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire dans 13 des 19 derniers matchs à domicile en Ligue 1. Lille est invaincue lors des 11 derniers matchs consécutifs en Ligue 1, ça on l'a vu, a réussi une feuille propre lors des 3 derniers matchs à domicile. Donc oui, c'est vrai, en plus. Ce qu'il y a là d'extraordinaire, c'est qu'ils sont très costauds, hein, des feuilles propres, hein, donc ils n'ont pas encaissé de but. Hein, donc ça, c'est assez nouveau aussi et ils tiennent. Hein. Lors de 14 des 15 derniers matchs de Ligue 1, Lille est invaincue. Lille a gagné par feuille propre 8 des 11 derniers matchs de Ligue 1, donc c'est même pas 3 isolés, c'est les 3 derniers à domicile, mais en tout 8 matchs. Où il n'encaisse pas de but, hein. Donc c'est solide défensivement. Lille a marqué au moins un but lors des 15 derniers matchs, donc il marque tout le temps au moins un but dans les 15 derniers matchs. Donc attention, ça claque au moins un but. Lyon n'a pas perdu de match lors de 7 des 8 derniers matchs en Ligue 1. Lyon a réussi à faire match nul à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire dans 3 des 5 derniers matchs de Ligue 1. C'est le problème de Lyon, c'est que match nul, quoi. Les probabilités, donc 40% pour Lille, 43% pour le match nul, 17% pour Lyon, le match nul 2-2. Mais sachant qu'il y a eu le match de Ligue des Champions pour Lille, ça va peut-être tirer la langue, donc peut-être d'un score minimum 1-1, puisque Lyon est quand même abonné au match nul. Jouera encore malheureusement encore un match nul, et malheureusement pour Lille aussi peut-être de perdre des points, mais ça peut se comprendre, même si Lille a un bel effectif et les postes sont assez doublés, je pense qu'il ne devrait pas avoir de soucis, mais bon, Lyon revient bien, à défaut de gagner, ils font match nul. Donc ce que je vous propose, c'est un match nul à 3,35. Et sécuriser avec les deux équipes marques. Je pense que quand même il y aura de l'activité offensive des deux côtés qui permettront quand même de marquer. Lyon est quand même en capacité de marquer au moins un but. Donc voilà, la répartition judicieuse qui nous fait quand même une cote équivalente à 2,26, qui n'est pas dégueulasse. Hein. Donc sur le match nul, vous mettez 11 euros. Et puis sur les deux équipes marques, vous mettez 19 euros pour un pari remboursé. Ce qui nous ferait quand même un cumul sympa. Hein. Un exemple pour 30 euros de mise à 67 euros, qui est quand même pas mal. Donc voilà, c'était le dernier pronostic. Donc je réponds à vos questions en commentaire. N'oubliez pas votre petit like si vous avez apprécié. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Merci.